Ils sont allés dans une sorte de fête. Et papa, il a invité maman à danser. Puis après, ils se sont contactés. Ils sont allés au restaurant. Et puis après, ils se sont tombés amoureux. Et ils m'ont eu moi. Et puis, ils se sont séparés. Ça fait quelques moments que ma mère, elle supporte plus mon père. C'est toujours ma mère qui tire des schémas incompréhensibles. Comme mon père rentre toujours tard parce qu'il est avec une autre fille. Alors il rentre toujours tard parce qu'il est soit dans l'avion, soit dans le train, soit au bureau. Ça, tout le monde le sait. Parfois, mais c'est des disputes amicales. Comme Astérix et Obélix. À la fin, ils se réconcilient toujours. Des fois, je me dis pourquoi à chaque fois il y en a un qui est là et l'autre il est en soirée. Parce qu'ils font exprès d'être en soirée, comme ça ils se voient pas. Enfin, ils sont pas vraiment séparés, c'est juste papa, il est parti en voyage d'affaires. Enfin, mais des fois, je peux le voir. Juste avant de se coucher, ils m'ont dit qu'ils pouvaient plus vivre ensemble. Donc là, moi, j'étais vraiment triste, j'ai commencé à pleurer. Ce qui a entraîné les pleurs de maman, ce qui a entraîné les pleurs de mon père. T'as plusieurs cadeaux, t'as deux anniversaires en plus, t'as deux maisons. Donc voilà, ça c'est ce qui est bien, mais ce qui est pas bien c'est que des fois tu t'embrouilles, alors tu vois plus, tu sais plus où tu dois aller, et du coup ça c'est pas ultra super quoi. Mon papa, il dit qu'un couple c'est une équation à deux inconnus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est beaucoup d'inconnus.